la Grèce. De tout temps, elle a été un des hauts lieux de la Méditerranée. Les envahisseurs s'y sont succédés au cours des siècles. Les Doriens, les Romains, les Goths, les Francs, les Normands, les Croisés, les Vénitiens et pour finir, les Turcs. Sur ces flots légendairement bleus s'est joué plusieurs fois le sort du monde antique. Comme dans le golfe de Corinthe, devant le petit port de Lépante. En 1971, une équipe d'archéologues italiens a entrepris d'en explorer les fonds pour voir s'il ne restait pas quelques vestiges de ces joutes antiques. Et ils en ont trouvé, à 20 mètres sous la mer, quelques poutres et quelques planches. À quel vaisseau venu de quel lointain rivage appartiennent ces épaves? Un seul repère, les clous. Ils ont été fabriqués à Venise il y a 4 siècles, le métal en témoigne. Alors on se prend à rêver. S'agit-il d'un des navires vénitiens qui a participé ici en 1571 à la célèbre bataille de Lépante entre les Turcs et la chrétienté? Il s'agit bien en tout cas d'une de ces galères qui ont sillonné la Méditerranée au temps jadis. À force de rames, elles ont transporté d'un bout de leur empire à l'autre les Scipions, les Hannibal, les Césars, Antoine et Cléopâtre, et plus tard Saint-Louis, partant pour les croisades. De la bataille d'Actium à celle de Lépante pendant 16 siècles, la galère a été la reine de la Méditerranée. Un monde que fait revivre le professeur Fernand Braudel. La Méditerranée, pour la traverser du nord au sud, c'est tout de même une semaine ou 2 semaines. Et pour aller de Gibraltar jusqu'aux côtes de la Syrie, du Levant ou de la mer Égée, c'est 2 mois au minimum. Si bien que vous êtes en face d'un monde qui est un monde énorme, un monde sans commune mesure avec les dimensions de la Méditerranée d'aujourd'hui. La Méditerranée d'aujourd'hui, c'est un lac. La Méditerranée d'autrefois, c'est presque une planète à elle seule. Or, aux deux extrémités de cet énorme univers, se sont constitués 2 monstres politiques. L'un qui représente l'empire des Osmanlis, l'empire turc, et l'autre l'empire des Habsbourg. Le premier de ces monstres politiques, l'empire turc, s'est constitué bien avant la prise de Constantinople en 1453. Et voyez, de succès en succès, toute la Méditerranée a été en quelque sorte enveloppée. Ils sont devenus les maîtres des Méditerranées du monde oriental. Ils ont pu constituer une flotte, et une flotte qui, très vite, est devenue une flotte très, très dangereuse pour le monde occidental. C'est une flotte qui, constituée à Constantinople, traverse l'Hellespont, traverse les relais de la mer Égée, et arrive soit au débouché de la mer Adriatique, au canal de Trente, ou même quelquefois s'en va au-delà du détroit de Médecine. Le détroit de Médecine, on peut le franchir, et arrive jusqu'au monde occidental. Or, cette conquête de la Méditerranée a été réalisée au lendemain de la bataille de Prevesa, qui est de 1538. La bataille de Prevesa a permis, à partir de 1538, aux flottes ottomanes d'être les maîtresses de la Méditerranée. Maîtresse de la Méditerranée, et par le relais d'Alger, maîtresse de la Méditerranée jusqu'au détroit de Gibraltar. La sublime porte est au sommet de sa puissance. Venus du fond de l'Asie, les Turcs, cousins des Mongols, ont pris Constantinople, l'ont rebaptisé Istanbul, et en ont fait depuis un siècle déjà leur capitale. Ici, dans une atmosphère de luxe, de cruauté et d'intrigues orientales, les sultans, qu'Allah les protège, règnent sur leur sérail, leur harem, leur divan, assistés de leurs vizirs et de leurs pachas, que leur prospérité demeure. Leur empire fabuleux s'étend de la Perse à Budapest. Ils ont conquis la Grèce, la Crimée, les Balkans, la Hongrie, et ne se sont arrêtés qu'aux portes de Vienne. Depuis les croisades, 2 mondes s'affrontent sans merci pour le partage de la Méditerranée et 2 religions, la chrétienté et l'islam.
Les célèbres janissaires, soumis à une discipline de fer, forment l'infanterie la plus redoutable et la plus redoutée de l'époque. Enfants de chrétiens enlevés avant l'âge de 5 ans, les Turcs en ont fait une armée fanatique de 100 000 combattants de la foi. Ils ont écrasé toute la chevalerie européenne, rassemblée à Nicopolis. Et depuis, c'est-à-dire depuis 2 siècles, le soldat turc passe pour invincible. Comme passe pour invincible leur célèbre cavalerie, les Spahis. Eux aussi sont souvent des renégats d'origine chrétienne. Ils constituent pourtant un des piliers de cet empire ottoman, grouillant et disparate, où se côtoient des douzaines de peuples, de races et de langues. Pourtant, cet impérialisme approche du déclin. Au dernier des conquérants, Soliman le Magnifique, a succédé le premier des sultans fainéants, son fils Selim II, petit, obèse, ivrogne, avare. Mais son grand vizir, Mehmed Sokoli, encore un renégat dont le vrai nom est Sokolovitch, voudrait maintenir la grande tradition selon laquelle tout nouveau sultan doit ajouter une province à l'empire. Istanbul ne possède-t-elle pas la flotte la plus puissante, les arsenaux les plus importants de la Méditerranée, grâce aux ouvriers, aux architectes navals grecs, les meilleurs du monde? Depuis 50 ans, les galères turques sèment la terreur en Méditerranée. Au printemps de 1571, Selim rassemble à Istanbul une flotte de 200 à 300 navires et l'envoie à la conquête de la grande île de Chypre, qui appartient à Venise. Je crois que le drame qui va conduire à l'épante commence avec l'intervention turque et le débarquement de leurs troupes dans l'île de Chypre. Cette barrière vénitienne, qui est la protection de la chrétienté, se trouve ainsi en danger. La Sérénissime République de Venise, elle aussi, est une grande puissance maritime et commerciale. Sa flotte contrôle la route de la soie et des épices qui conduit au Proche-Orient. Les doges et le sénat de cette aristocratique république de marchands ont toujours composé avec les Turcs, au grand scandale de la chrétienté. Les affaires sont les affaires. Mais les arsenaux de Venise ont beau rivaliser avec ceux des Turcs, la Sérénissime a perdu la maîtrise de la mer. Elle est épuisée par cette guerre perpétuelle pour conserver son chapelet d'îles et de bases en Albanie, en Grèce, à Corfou, à Candie, à Chypre. Cette fois, sa vie même est menacée. Chaque matin, dit-on, Venise se réveille en craignant que le coq ne se mette à chanter en turc. Alors elle appelle toute la chrétienté à son secours. Venise s'est tournée vers l'Espagne et a réussi à manœuvrer cet énorme empire espagnol parce qu'elle a été entraînée par la papauté Saint Pie V. C'est un homme extraordinaire qui a joué un rôle, je dirais, exceptionnel dans la mise en route de la Sainte Ligue et de la guerre de l'Épante. Au nom du Christ roi, la 13e croisade contre l'infidèle est organisé par cet ancien moine et vieillard intraitable, fonctionnaire zélé de l'Inquisition. Ainsi, la Sainte Ligue aura 3 piliers, le pape, Sa Majesté très catholique Philippe II d'Espagne, et le doge de Venise, Alvise Mocenigo. Marcantonio Colonna, 35 ans, commandera la flotte du pape. Sebastiano Veniero, 75 ans, celle de Venise. Enfin, le commandement en chef sera confié à un tout jeune prince espagnol de 26 ans qui vient de se distinguer contre les Morisques à Grenade, l'illustrissime seigneur Don Juan d'Autriche, fils bâtard de Charles Quint. Émotif, passionné, amer, car son frère Philippe II vient de lui refuser le titre d'altesse royale,
Ils brûlent de remporter une grande victoire. Mais il faut faire vite, car les Turcs sont déjà à Chypre, où seule la capitale Famagouste résiste encore, comme l'explique un historien naval italien, le commandant Bragadine. Selon les accords militaires prévus entre les puissances appartenant à la Sainte Ligue, les forces navales respectives auraient dû se réunir au complet à Messine durant le mois de juillet afin d'aller dès que possible libérer Famagouste à Chypre et puis pour entreprendre des actions offensives contre la flotte turque. Mais au rendez-vous de Messine à la fin de juillet se trouveront seulement réunis quelques malheureux navires des marines mineures et seulement la moitié environ de la flotte vénitienne. L'autre moitié pourtant était prête en Crète, dans l'attente des ordres à faire route vers Famagouste. Les forces navales espagnoles, au contraire, étaient très en retard eu égard aux prévisions. En effet, Don Juan appareilla de Barcelone le 20 juillet seulement et n'amenait qu'une partie de ses vaisseaux de guerre. Ici, à Barcelone, la fière catalane, on se souciait davantage jusqu'à présent des corsaires barbaresques d'Alger que de la lointaine Chypre ou de la perfide Venise. Il aura fallu toute la fougue et l'ambition de Don Juan d'Autriche pour entraîner la flotte espagnole contre le Turc invincible, à l'autre bout de la Méditerranée, si loin des arsenaux royaux de Barcelone. C'est que la maison des Habsbourg règne à la fois sur l'Espagne, l'Autriche, les Pays-Bas, presque toute l'Italie, et aussi sur l'Amérique, découverte depuis 80 ans. Aussi est-elle tiraillée entre sa triple vocation atlantique, européenne et méditerranéenne. Aujourd'hui, les arsenaux de Barcelone ont été transformés en musées. On y a construit une réplique de la galère capitane de Don Juan d'Autriche, la Real, sortie de ces mêmes chantiers, et que présente le directeur du musée naval de Barcelone, José María Martínez Hidalgo. Nous pouvons considérer que la galère se divise en trois parties. La rambarde, la chambre de nage et le carrosse. Le carrosse est le lieu noble de la galère. Le poste de commandement. Toutes les galères étaient l'objet des plus somptueux ornements, mais surtout les galères royales s'enrichissaient des plus belles décorations. Sur la Real, on peut voir des panneaux de marqueterie réalisés avec des bois d'acajou et de citronniers. En regardant vers la poupe, on découvre un bas-relief représentant le jardin des Hespérides. Et tout en haut, pour couronner le carrosse, et comme signe distinctif du commandement et de l'autorité, se dresse le fanot, qui, sur une galère capitane ou une galère royale, sont au nombre de trois. Celui du centre symbolise la foi, le deux autres l'espérance et la charité. Ensuite, contigu au carrosse, nous trouvons le grand carré, où se tenaient ordinairement les officiers d'état-major, le capitaine et un détachement de troupes. Ensuite, par la coursive, au milieu du vaisseau, nous dominons chacun des bancs de la galère. Il y a 30 rames à tribord, mais à bâbord, il y a une de moins et à sa place, le fougon. Chacune de ces rames est manœuvrée par 4 galériens, dont celui qui dirige, dénommé le vogue-avant, celui-ci guidant la nage pour ses compagnons. Les 3 autres fournissant l'effort musculaire selon les indications du vogue-avant. Donc, il n'était question aucunement nécessaire d'avoir des rameurs expérimentés, et tous étaient en outre entraînés par le rythme du premier rameur de poupe, appelé le spalier, parce qu'il était le plus rapproché du grand carré, ou espalda. La nage sur les galères était rythmée en fonction de la vitesse que l'on souhaitait obtenir. Elle variait entre 10 et 20 coups de rame à la minute. Imaginez ce que signifie ramer à la cadence de 20 coups à la minute, c'est-à-dire 1, 2, 3, un coup d'aviron, 1, 2, 3, un coup d'aviron, 1, 2, 3, un coup d'aviron. Ainsi, on obtenait que la galère
atteignent une vitesse constante de 4 à 5 nœuds, c'est-à-dire environ 7 à 8 km à l'heure. Seulement, on ne pouvait maintenir ce rythme puissant qui s'appelait la nage à l'arraché que durant une demi-heure, essentiellement au début du combat. Dans la nage de croisière, par contre, seulement la moitié de l'équipage ramait. Le personnel de chaque bord du vaisseau, celui de gauche et celui de droite, se relayait constamment. La moitié des hommes ramaient à bâbord ou dormaient selon les heures. À droite également, ils se partageaient la tâche. Dans ces conditions, la vitesse était réduite à 2,5 nœuds, à une cadence de 10 coups de rame à la minute. Tout au long de cette coursive, dirigeant les rameurs, le garde Schurm, assisté d'un aide-garde Schurm, ainsi que les sargoussins, et bien entendu le marin de métier qui devait intervenir dans certaines manœuvres. En arrivant au 9e vent, nous nous apercevons qu'il manque une rame et que sa place est occupée par le fougon, le fourneau avec lequel on préparait la nourriture de nos galériens. Une nourriture à base de fèves, de pois chiches, d'un peu d'huile et de biscuits. Parfois, on recommandait de leur donner à manger la nuit afin qu'ils ne voient pas les vers qui se trouvaient dans leur brouet. C'est ainsi que le pauvre galérien était le plus souvent nourri. Vers l'avant, après les bancs de nage, nous arrivons à la Corulla. C'est une plateforme limitée par la barre d'arcasse. Ensuite, le chouquet, autre plateforme triangulaire de la proue, où se tenaient d'abord les marins avec le grappin nécessaire à l'abordage et à la prise du bâtiment ennemi. À leur suite, se groupaient les soldats les plus agiles, prêts à sauter à bord de l'autre vaisseau. Ici donc, comme premier dispositif de défense et d'attaque à la proue, cette plateforme surélevée, depuis laquelle les hommes armés pour le combat se disposaient à se lancer à l'assaut du navire ennemi. En bas, sur le couvert de cette rambarde, la Corulla, sur chaque bord de la galère, les latrines, disons les sanitaires. Ici, juste au centre, le canon de chasse, le coursier, flanqué de 4 autres canons, constituant ainsi les 5 pièces d'artillerie de la galère, celles que Cervantes appelait los 5 ministros de la muerte, les 5 ministres de la mort. Le gréement est constitué par les deux voiles typiques latines de la galère, une tranquette et une grande voile qui procuraient un grand soulagement aux rameurs quand par bonheur les vents s'élevaient de manière favorable à une navigation confortable. Elle était armée de 5 pièces d'artillerie et portait l'étendard et les emblèmes de la Sainte Ligue, attribut qu'elle recevait à son arrivée à Naples, des mains du cardinal Grandella, légat de sa sainteté le pape. Ce fut seulement au premier jour de septembre que les navires présents dans le port furent rejoints par les autres bateaux qui avaient pris du retard, parmi lesquels les 60 galères vénitiennes de Crète qui avaient été rappelées à Messine pour se présenter au prince espagnol. Ces arrivées de navires en groupe créèrent un malentendu au désavantage des Turcs. Le célèbre corsaire Karakoja envoyé un éclaireur sur l'ordre d'Ali Pacha, commandant suprême de la flotte turque, réussit à pénétrer à la nuit tombée avec un navire camouflé dans le port de Messine et à compter une à une les galères présentes. Mais il les compta alors qu'il en manquait encore 50 vaisseaux,
de la sorte que l'amiral turc, jusqu'à Lépante, demeura convaincu que sa flotte en définitive était nettement supérieure à la flotte chrétienne. De toute façon, alors que la bonne saison était déjà sur son déclin, les amiraux de la Ligue perdirent beaucoup d'autres jours précieux en interminables discussions, en réunions d'état-major, en parties spécieuses, dues surtout à la jalousie et aux rivalités qui s'étaient déjà manifestées entre les hommes, en partie indispensables, parce qu'il fallait assurer la bonne efficacité opérative d'une flotte de 300 navires avec les navires de transport et les vaisseaux de guerre, avec à bord 100 000 soldats de nationalité, de langue et de mentalité le plus souvent profondément différents. La Ligue a prévu une force de 50 000 soldats. Malgré l'enthousiasme de toute la noblesse italienne et espagnole, il a fallu recruter des mercenaires, allemands et bourguignons, une véritable armée européenne. À raison de 240 hommes par galère, la Ligue doit aussi trouver près de 50 000 rameurs. C'est le plus dur. Comme il n'y a pas assez de prisonniers turcs, on a vidé les prisons de Venise et enrôlé de force les condamnés de droit commun, en leur promettant la liberté ou la vie sauve. Dans la flotte turque, en revanche, les rameurs sont des esclaves grecs ou des prisonniers chrétiens. Ainsi, par un curieux paradoxe, les galériens de chaque camp souhaitent la victoire de l'autre. Et c'est pourquoi le garde-chiourme veille. Le personnage principal parmi les gens attachés au bandénage, le chef des galériens qui ramait, était le garde-chiourme. Le garde-chiourme que le plus souvent les historiens, non sans raison, nous dépeignent comme un personnage sinistre. Son costume était le costume habituel des marins de l'époque, des choses en pourpoint sans ornement distinctif, car les galons de commandement dans la marine n'ont été créés qu'au XVIIIe siècle, tout du moins ceux qui existent actuellement. Il tenait à la main, pour exercer son autorité, un fouet de cuir. Un fouet de cuir qui lui servait à exciter parfois les rameurs pour en tirer le meilleur parti possible en cas de besoin, sans pour autant le blesser et le rendre inapte au travail. Sur le banc de la galère réelle étaient réunis trois types d'individus, trois types de conditions différentes. Quelques esclaves, des condamnés de droit commun, des hommes libres. Ce sont ces hommes libres que notre garde-chiourme répartissait sur la coursive pour qu'ils empêchent les autres de l'attraper, surtout la nuit, pour les tirer vers eux, jusqu'au bastingage. Et ensuite, les galériens l'assommaient et le jetaient à la mer, comme souvent cela arrivait sur le vaisseau. Parce qu'il y avait sans cesse des querelles, non seulement avec lui, mais aussi la plus souvent avec l'argousin et le second argousin, qui étaient chargés dans la nuit de vérifier si les chaînes et les fers qui attachaient les rameurs étaient toujours bien cadenassés. Celui qui était condamné au dur banc de la galère, comme dit le poète, celui-là y mangeait, y vivait et y dormait s'il le pouvait. Comment dormait-il? Eh bien, appuyé sur le banc ou allongé, tant bien que mal et comme le lui permettait la longueur de la chaîne. Thank you.
Et bien qu'à la proue, il y ait plusieurs latrines, on ne pouvait pas détacher les chaînes des 236 rameurs pour qu'ils s'aillent à ces latrines. Pour cette raison, la plupart du temps, ils déféquaient bien entendu sous le banc où ils dormaient. Nous pouvons imaginer la puanteur d'une galère. Pantero Pantera disait que la nuit, on pouvait déceler la présence d'une galère ennemie à 2000 de distance par l'odeur des bandes de nage. Au milieu de toutes ces bêtes humaines, un magicien, le pilote. Il enferme ses instruments à double tour dans un coffre. On se demande pourquoi, car ils sont bien rudimentaires. Des cartes marines, assez approximatives, et un compas. Mais son savoir doit rester un secret. Et pour cause, la navigation n'est pas encore une science, tout au plus un art. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de secret. Le timonier exécutait les ordres que lui transmettait alors le pilote pour le besoin de la navigation et pour maintenir le cap. À cette époque, le timonier se tenait encore en dehors du carrosse. La troupe embarquée sur la galère portait l'uniforme traditionnel des soldats de l'infanterie. Des chausses à lanières, un plastron, un casque, l'épée. Un mousquet comme on le voit ici, ou une arquebuse. Généralement, l'effectif de la troupe sur la galère était limité à 20 hommes. Mais lorsqu'il s'agissait d'une galère royale, il pouvait y avoir jusqu'à 60 hommes. Si l'on disait déjà qu'une galère pouvait se définir comme une masse de chair humaine, dans laquelle nous savions ceux qui travaillaient, tels que les rameurs, et tous ceux qui manœuvraient alors qu'ils se reposaient les soldats. Imaginez ce que ce fut à l'épandre, lorsqu'on arriva à doubler le nombre d'hommes à bord d'une galère. Pour l'armement léger, la bataille de l'épandre se situe à la charnière entre les guerres antiques et le combat moderne. On y voit encore l'arc turc, l'arbalète ou l'épée des chevaliers. Mais ils sont remplacés de plus en plus par une arme à feu, l'arquebuse à mèche, que présente le conservateur du musée de l'intendance à Venise, Marco Mori. Celle-ci est d'une époque un peu postérieure à l'épandre, mais son fonctionnement est identique. Voici la platine ou serpentin, qui tient la mèche, un petit morceau de corde imprégné de salpêtre. Avec un peu de poudre d'amorce, on remplissait le bassinet qui communiquait par un petit trou, la lumière, avec la chambre d'explosion où se trouvaient déjà la poudre et la balle, introduits auparavant par le canon. Au moment du tir, l'arquebusier devait attiser le bout de la mèche allumée en soufflant dessus. Con un soffio la brace della miccia.
ouvrir le bassinet et rabattre la platine qui tenait la mèche dans le bassinet. Il draghetto insieme alla miccia nello scodellino. La poudre prenait feu, la charge explosait et le coup partait. Il s'agit là d'un système très simple, mais non sans inconvénient. La mèche fumait, elle s'éteignait s'il pleuvait, elle brûlait trop vite s'il y avait du vent. Sans compter qu'avec toutes ces mèches allumées, le maniement de la poudre était très dangereux. E soprattutto era molto pericoloso avere questa miccia accesa quando si maneggiava della polvere. C'était pourtant un énorme progrès par rapport à l'arc et à l'arbalète, encore en usage. Sebastiano Veniero lui-même devait se servir d'une arbalète à l'épante et tuer pas mal de Turcs avec elle. Les chrétiens ont aussi mis en service à l'épante une arme qui représentait une nette supériorité technique, le pistolet à rouet, qui fonctionnait un peu comme un briquet. Une roue dentelée, actionnée par un ressort, tournée en frottant contre un morceau de pierre. L'étincelle provoquée mettait le feu à la poudre, qui était contenue dans le bassinet. Celle-ci allumait la charge dans le canon, et le coup partait. La supériorité technique des armes de la Ligue s'étendait aussi au domaine de l'artillerie. Quand on a voulu refondre les canons pris aux Turcs à l'épante, on s'est aperçu qu'ils étaient d'un alliage extrêmement pauvre. Enfin, nous pouvons affirmer qu'à égalité de calibre, l'artillerie turque avait une cadence de tir et une portée nettement inférieure à l'artillerie chrétienne. L'armada chrétienne leva l'ancre le 16 septembre et partit de Messine vers les côtes de la Grèce. Suivant les règles de navigation de l'époque, elle côtoya le littoral de la Calabre en faisant de nombreuses étapes. La première à Castelbianco, puis au camp Scilazzi, ensuite au Capo Colonna, puis traversa le golfe de Tarente et mouilla Santa Leuca, et enfin arriva à Corfou. À Corfou, tous purent alors constater les dévastations qui avaient été causées à l'île par les Turcs durant une incursion le mois précédent. Mais à Corfou, un grave événement se produisit, qui faillit provoquer prématurément la dissolution de la Ligue. Des soldats vénitiens et des soldats espagnols embarqués sur une galère vénitienne en vinrent aux mains, et il s'ensuivit une rixe générale d'une extrême violence qui menaçait de s'étendre à tous les autres navires alentour. Le commandant vénitien Sebastiano Veniero, sans doute poussé par son caractère impulsif de vieux soldat, pour calmer les esprits et pour éviter que se propage le désordre, intervint aussitôt et fit pendre haut et court le soldat espagnol qui l'avait provoqué. Don Juan d'Autriche, commandant suprême de l'armada chrétienne, se sentit personnellement offensé de n'avoir pas été consulté et reprochait à Sebastiano Veniero d'avoir fait pendre l'un de ses soldats sans le tenir d'abord informé. Les conseillers espagnols de Don Juan trouvèrent enfin une solution qui calmerait le prince, compens de Sebastiano Veniero pour sauver l'honneur. Il fallut toute la patience d'Agostino Barbarigo, commandant des galères vénitiennes, et l'habile diplomatie de Marcantonio Colonna, commandant des galères pontificales, pour apaiser les passions et faire en sorte que la flotte chrétienne puisse reprendre la route prévue. De Corfou, en effet, la flotte fit voile vers le sud et traversa les eaux de Prévesa, chargée d'amers souvenirs pour les Vénitiens. Et elle entra, en contournant l'île de Santa Maura, dans les eaux de Cefalonia. À Cefalonia arrivèrent deux nouvelles importantes. D'abord, que toute la flotte turque mouillait devant les remparts de l'épante. L'autre nouvelle confirmait la chute de Famagouste et rapportait de façon détaillée toutes les atrocités que les Turcs avaient commises à l'encontre des Vénitiens survivants. Le commandant Bragadine sait de quoi il parle. C'est un de ses ancêtres, le Vénitien Marcantonio Bragadine, qui commandait la garnison de Famagouste. Après la prise de la ville, les Turcs l'ont écorché vif et ont promené sa dépouille remplie de paille à travers les rues.
Son martyr fit frissonner d'horreur et d'indignation les soldats de la Sainte Ligue. On s'était gardé, bien sûr, de leur dire comment les Vénitiens avaient traité les prisonniers turcs. Pendant que la flotte chrétienne était au mouillage à Cefalonia, un brutal revirement du temps s'était produit, et beaucoup en déduirent que se manifestaient là les premiers signes du changement de saison. Les conseillers espagnols de Don Juan en profitèrent alors pour convaincre ce noble prince d'interrompre les opérations à cause de la mauvaise saison qui se montrait précoce. Mais, à la fin, toutes les hésitations furent entièrement levées, et pour trois motifs. Parce que les Vénitiens étaient fermement décidés à livrer bataille, fussent-ils seuls. Parce que, selon les nouvelles reçues jusqu'à présent, la flotte ennemie était sensiblement inférieure à la flotte chrétienne. Mais, surtout et avant tout, parce que Don Juan était décidé à jouer son destin dans cette bataille. De leur côté, les chefs de la flotte turque, rassemblés au fond du golfe de Patras, au pied de la citadelle de Lépante, hésitent, comme le raconte le professeur Michel Le Sur. Les trois commandants de la flotte turque se réunissent pour un conseil de guerre le 6 octobre pour savoir quelles dispositions doivent être prises. Et là, on a assisté à une scène extrêmement houleuse, presque dramatique, entre les trois chefs. L'un, le capitaine de la flotte, Ali Pacha, avait reçu des ordres formels du sultan. Il faut attaquer. Ali Pacha, il avait en réalité très peur d'être exécuté en cas de désobéissance aux ordres du sultan. Et il était partisan de prendre l'offensive, de sortir de Lépante et d'aller au-devant de l'ennemi. Le commandant des troupes terrestres, Pertev Pacha, c'était un homme assez prudent. Il avait constaté que la flotte s'était complètement démobilisée après l'arrivée à Lépante, que les combattants étaient descendus à terre, qu'il manquait des rameurs, qu'il manquait trop d'éléments pour... que la flotte était fatiguée, que les victuailles, que les vivres manquaient, et qu'il était plus prudent de rester abrité devant le fort de Lépante et attendre l'arrivée de l'ennemi. Et l'artillerie du fort aurait aidé facilement la flotte turque à se défendre. C'était évidemment deux points de vue complètement opposés. Le troisième, Ulugh Ali, se tait. Personnage mystérieux que ce pauvre pêcheur italien de Calabre, capturé par les Turcs à l'âge de 16 ans, devenu galérien puis corsaire et pour finir, richissime et puissant bey d'Alger, le meilleur marin de la flotte turque. Finalement, le point de vue d'Ali Pacha l'emporte, il faut courir à l'ennemi. Le 7 octobre 1571, les deux flottes s'avancent l'une vers l'autre sans le savoir, car les Turcs croient que les chrétiens ne sont pas prêts, et Don Juan est persuadé qu'Ali Pacha ne quittera jamais son abri fortifié de Lépante. À 9 heures du matin, les deux flottes se rencontrent. L'armada chrétienne, à gauche, a du mal à déboucher dans le golfe par un étroit chenal, tandis que l'escadre turque, à droite, poussée par un vent favorable, avance à la voile en formation de croissant. À 4000, Don Juan fait tirer une salve et hisser la flamme de guerre. C'est le signal de se mettre en ordre de bataille. Ali Pacha s'aperçoit alors que la flotte chrétienne est plus nombreuse qu'il ne croyait. Trop tard, il faut se mettre en ligne. Et voilà au centre Don Juan d'Autriche, escorté par Veniero et Colonna, qui a pris la tête de 70 galères espagnoles, avec en réserve les 30 galères de Don Alvaro de Bazan. Sur l'aile gauche, Barbarigo, un vrai marin, avec 50 galères vénitiennes. À droite enfin, les 50 galères génoises d'Andrea Doria. En face, Ali Pacha et Pertev Pacha conduisent le gros des forces turques, 96 galères. À leur droite, Scirocco, le corsaire le plus audacieux de la Méditerranée avec 60 galères. Et à gauche, Ulugh Ali avec une quarantaine de galères barbaresques. Entre les deux lignes, 6 galéas, dont 2 commandés par les frères Bragadine, impatients de venger leur cousin, assassiné à Famagouste. 500 navires se font face pour la plus grande bataille navale depuis Actium, depuis 16 siècles.
170 000 hommes vont s'affronter. Tous les grands noms de la noblesse italienne et espagnole sont là. Les Sforza, les Farnese, les Colonna, les Parilia, les Requesens, les seigneurs de Bazan et les chevaliers de Malte. Du côté turc, les baies de Rhodes, d'Alexandrie, de Tripoli, de Mytilène et d'Alger. Les corsaires les plus fameux, Scirocco, Caracoggia et Hassan, le fils de Barberousse. À midi, tout le monde est en place. Soudain, le vent s'arrête, un signe de Dieu. Les Turcs sont obligés d'attaquer à la rame et ils tombent d'abord sur les galéas. C'est l'arme secrète de la Ligue, un bateau énorme, hérissé de canons. Alors que les galères n'en possèdent que 5 disposés à l'avant, les galéas sont équipés de 20 ou 30 canons, tirant dans tous les sens. Couvert d'un pont qui protège les rameurs et qui sert de plateforme aux soldats, c'est le cuirassé de l'époque, fraîchement sorti des chantiers de Venise et utilisé pour la première fois. Les Turcs sont stupéfaits. De quelque côté qu'ils manœuvrent, ils se trouvent face à la gueule d'un canon. Comment contourner ces forteresses flottantes qui crachent un barrage de feu? En quelques minutes, plusieurs galères sont coulées et la superbe ordonnance de la ligne turque est disloquée. Les Turcs ont réussi à passer les galéas. Sur l'aile droite, Scirocco, arrivé le premier, a attaqué les 50 galères vénitiennes de Barbarigo. Les galéas des frères Bragadine ont alors fait demi-tour, se sont jetés dans la bataille où elles font feu de leurs 50 canons. C'est maintenant une mêlée indescriptible de vaisseaux et d'hommes. Les Vénitiens vont à l'assaut avec impétuosité, encouragés par le cri de « Souvenez-vous de Famagouste ». Les Turcs tentent une manœuvre de diversion en essayant de déborder l'aile gauche des navires de Barbarigo. Mais les Vénitiens ripostent promptement à la manœuvre et contraignent la plupart des galères aux Turcs à aller s'échouer sur la côte. Les Vénitiens sont déchaînés. Sous les ordres du provéditeur de la mer Barbarigo, ils coulent en une heure de combat furieux 54 galères turques sur 60. Et ils font prisonnier le célèbre corsaire Scirocco. Mais 5 galères turques ont réussi à encercler Barbarigo et celui-ci reçoit une flèche dans l'œil. Peu après, il agonise en remerciant Dieu car on vient de lui apprendre la déroute des ennemis de la Sainte Foi. Au centre aussi, la mêlée sauvage, galère contre galère, homme contre homme. Sur ce plancher mouvant, la bataille devient un gigantesque combat d'infanterie entre les deux meilleurs fantassins de l'époque, l'Espagnol et le Turc. La galère capitaine d'Ali Pacha, la Sultane, a repéré la réale de Don Juan d'Autriche et a foncé sur elle. Ici, au niveau du quatrième banc, le pont de la Sultane a heurté la galère royale. C'était une manœuvre classique à l'époque. Les galères enfonçaient le vaisseau ennemi par le bord arrière de la rambarde, là où se tenaient les soldats prêts à se lancer à l'assaut. Aussitôt que pénétra les ponts de la Sultane dans l'aréal, les soldats de la chrétienté en profitèrent alors comme d'une passerelle pour prendre pied aussitôt. Et c'est ainsi qu'il assaillit la Sultane. Mais ils furent repoussés, et à leur tour, ce furent les Turcs qui se lancèrent sur la galère réale. Un furieux combat s'ensuivit. Ce fut un moment terrible, un combat épouvantable, une tuerie sur cette plateforme où tous les rameurs étaient prisonniers, pouvant à peine se protéger sous leur banc de martyrs. Quelques-uns de ces pauvres bougres
espérait alors que l'ennemi vainqueur serait meilleur maître. Les autres, qui ne pouvaient pas protéger leur corps sous les bancs, avaient les épaules labourées par les combattants des deux armées qui piétinaient les hommes dans ces labyrinthes rouges de sang. Il sembla un moment que Don Juan d'Autriche voulait se mettre à la tête de son armée et que Ali Pacha voulait faire de même avec l'armée turque et que les deux armées seraient témoins d'un duel chevaleresque entre les deux grands capitaines. Mais non, ces deux soldats regagnèrent la place que les chefs ne devaient quitter. Ils revinrent à l'arrière afin de pouvoir diriger la bataille. Jusqu'à ce que Don Álvarez de Bazán, se rendant compte du péril soudain que courait la Réale par la poupe, mette en ordre des combats un grand renfort de troupes. Tout à coup, la tête d'Ali Pacha apparaît au bout d'une pique. C'est la victoire et le grand pavillon sacré qui porte 29 000 fois le nom d'Allah et qui n'a jamais été souillé par la défaite va bientôt tomber entre les mains des chrétiens. Pendant ce temps, sur l'aile droite, stupéfaction, le génois Andrea Doria a filé vers le large, suivi par Ulu Jali. Refuse-t-il le combat, le traître, pour épargner ses bateaux qu'il loue au roi d'Espagne, ou veut-il habilement éloigner le meilleur marin de la flotte turque? À une heure, Ulu Jali fait demi-tour et se rue dans le vide laissé par Andrea Doria. Le Bey d'Alger fait un grand massacre de chrétiens, s'empare de la capitane et du glorieux étendard de l'ordre de Malte et s'enfuit avec ses 30 vaisseaux intacts. Parmi les blessés victimes d'Ulu Jali, un jeune capitaine espagnol de 24 ans a reçu 2 coups d'arquebuse et a perdu la main gauche, ce qui ne l'empêchera pas de devenir un écrivain célèbre. Son nom, Miguel Cervantes. Maintenant la nuit tombe, c'est la fin. 60 galères turques ont été coulées, 50 brûlées, le reste capturé. 15 000 morts et 30 000 blessés barbotent dans l'eau. La mer est rouge de sang. La chrétienté tressaille de joie. Le Turc invincible est vaincu. Tout l'Occident est en fête, on danse à Venise, en Espagne, aux Pays-Bas. Aujourd'hui encore, après 4 siècles, la petite ville de Marino, près de Rome, patrie des Colonna, se souvient. Udite, udite, il giorno 7 ottobre 1571, l'armata cristiana ha vinto in una meravigliosa e memorabile battaglia all'armata turchesca. La cristianità è salva dal pericolo degli infedeli. La chrétienté est sauvée du péril de l'infidèle. Voilà la légende. Pourtant, cette grande victoire sera sans lendemain, sans aucune conséquence pratique. L'année suivante, la Sainte Ligue sera dissoute et l'Empire turc va durer encore 2 siècles. À Lépante, la Méditerranée avait englouti à la fois les galères turques et les derniers rêves des croisades. Et noi, popolo di Marino, prepariamoci ad accogliere degnamente il comandante delle galee pontificie, Marco Antonio Colonna. Malgré tout, Lépante est restée une des plus grandes batailles navales de l'histoire. Un des grands moments de la lutte séculaire pour la maîtrise de la Méditerranée, entre l'islam et la chrétienté, entre le croissant et la croix.